Il était une fois, dans un grand étang, un poisson nommé Henri. Oui, mais tout le monde m'appelle Riton. Riton l'esturgeon. Effectivement, Henri, alias Riton, est un esturgeon. Un poisson qui n'a quasiment pas évolué depuis des millions d'années. C'est pour cela qu'on le surnomme le fossile vivant. Je ne suis pas si vieux que ça quand même. Il existe 24 espèces d'esturgeons dans le monde, tous dans l'hémisphère nord, mais en France, à l'état sauvage, seuls les esturgeons dits communs sont encore présents dans le bassin de la Garonne, mais ils sont de plus en plus rares. L'esturgeon est facilement reconnaissable grâce à son corps allongé avec des excroissances osseuses sur le dos. Son long nez, ses quatre barbillons sensitives, des sortes de moustaches avec lesquelles il recherche sa nourriture sur le fond, et sa nageoire caudale asymétrique, la partie supérieure de sa queue est plus grande que la partie inférieure. Un corps de beau gosse, alors pourquoi en changer ? Certains esturgeons, comme le beluga, peuvent mesurer plus de 7 mètres pour 1500 kg. Ce sont les plus gros poissons d'eau douce. Mais l'espèce de riton, l'esturgeon commun, est plus petite et ne mesure que 3 mètres pour 500 kg au maximum. Ça fait quand même un joli bébé, non ? Les esturgeons sont des poissons migrateurs. Ils naissent et grandissent en eau douce, puis ils descendent les fleuves pour rejoindre la mer. Ils feront ensuite le chemin inverse pour se reproduire en eau douce. Les vieux esturgeons, certaines espèces peuvent atteindre 80 à 100 ans, vivent en mer, dans les très grandes profondeurs. Moi je bouge pas, je reste dans mon étang, tranquille avec mes potes. Effectivement, dans certains étangs dédiés à la pêche, vous pouvez rencontrer des esturgeons, mais que des mâles, car les femelles recèlent un trésor, leurs œufs. Depuis l'Antiquité, les œufs d'esturgeon, ces petits grains noirs, sont consommés par les hommes. Cet aliment de luxe est très réputé et cher, c'est le caviar. On en fait tout un plat de ça. J'en ai déjà goûté une fois, c'est pas terrible, c'est très salé. Je préfère un bon gros ver de terre. Le régime alimentaire des esturgeons se compose exclusivement de ce qu'ils peuvent trouver sur le fond. C'est à cause de ma bouche qui s'allonge vers le bas. Des vers, des larves d'insectes aquatiques, des petits crustacés ou coquillages, des écrevisses. C'est moins cher que le caviar et bien meilleur. Dans les étangs, la pêche de l'esturgeon ressemble un peu à celle de la carpe. Vous pouvez le pêcher toute l'année, même en hiver, car il reste très actif, toujours à la recherche de nourriture. Vous pouvez le pêcher au feeder, ces petites cages grillagées en plastique ou en métal pouvant contenir de l'amorce, un mélange de farine, avec des pellets, goût, poisson ou viande. Je suis pas difficile, moi. Ou avec plusieurs cannes posées sur des détecteurs de touches, avec des bouillettes. Je mange du tout. Vous pouvez utiliser une multitude d'appâts. Des queues de crevettes, des filets de hareng fumé, des moules, du lard fumé, des dés de jambon, du saucisson, du chorizo. Le pêcheur devra utiliser un nylon de fort diamètre, car Riton est un vrai batailleur. Ses puissantes nageoires sont taillées pour la vitesse et il n'hésite pas à faire des bonds hors de l'eau pour se défendre. La suite de mes aventures, c'est tes parents qui te la raconteront.